Paris pour la semaine. Je vais en profiter pour faire quelques petites photos. J'ai déjà fait un reportage photo. Je vais voir si je peux le diffuser en vlog ou pas. En sachant que ce matin, je me suis levé pour faire le lever de soleil sur le Pont des Arts. Et grosso modo, il y avait aucun nuage, ce qui était terrible. Mais là, la patience et la magie sont apparues. J'ai pu faire quelques beaux clichés. Je vous les montre tout de suite. Moi, je vais aller me prendre une petite boisson chaude et ensuite, on file à la Défense tout simplement pour faire des photos d'architecture parce que clairement, en ce moment, sur Paris, il y a beaucoup d'échafaudages. Ils sont en train de rénover l'obélisque de la Concorde, une partie du Louvre, bon, bien sûr Notre-Dame, l'Opéra Garnier, plein de monuments comme ça, ce qui fait que je me suis dit autant partir sur quelque chose de complètement différent. Pas forcément de l'architecture intérieure à Paris que j'adore, mais clairement de l'architecture un petit peu plus moderne sur le quartier de la Défense. Voilà, moi je me prends une boisson chaude, je vous montre les quelques clichés que j'ai fait ce matin au lever de soleil, et puis on se retrouve à la Défense. Allez, c'est parti, bienvenue dans cette nouvelle aventure et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc maintenant, direction la Défense. Alors j'ai déjà ma première image en tête. Là, pour moi, le but, ça va être de bien me positionner au sein du métro. Tout simplement à l'avant du métro avec un petit trépied pour une petite pause longue au moment où le métro va sortir de son tunnel et me donner une belle perspective sur l'Esplanade, enfin pas l'Esplanade, mais en tout cas le quartier de la Défense. Voilà, donc mission, une bonne place dans le métro. Ça n'a pas donné ce que je voulais parce que tout simplement j'ai eu une très très grosse surexposition dans le sens où en fait y avait trop de lumière à l'extérieur et puis une espèce de brume sur l'arche de la Défense qui reflétait énormément la lumière du soleil. Voilà, vous pouvez vous en rendre compte au moment où j'arrive là et clairement ça m'a cramé mon image. J'ai beau avoir fermé à f22, rien à faire, malgré tout j'ai réussi à faire des petites images assez intéressantes juste avant la sortie. Voilà, ça fait des images de mouvement, de flou. Bon, moi je vais commencer mes photos d'architecture. Je suis arrivé au bout de l'esplanade de la Défense. Je vais vous montrer et grosso modo, ça va être mon terrain de jeu pour faire Mumuse aujourd'hui et essayer de sortir les plus belles photos possibles et puis vous localiser un petit peu tout ça pour que vous puissiez vous aussi venir faire ce type de photos. Voilà, et on va voir ce que le ciel va donner. Au fond, l'arche de la Défense. Alors mon premier sujet, il est juste derrière moi, ça reste un classique, des photos de la Défense. L'avantage, c'est que la dernière fois que j'étais passé, il y a quand même pas mal d'années, il y avait pas mal de travaux, ce qui fait que ça dérangeait un petit peu la zone. Là d'où je suis, j'ai une belle zone de tir. J'imagine que le soir, ça pourrait être vraiment un angle, une fois de plus, toujours hyper intéressant, parce qu'on peut faire les filets de voiture. Et c'est ça le plus de ce point de vue-là, en sachant qu'il y en a deux autres qui peuvent être très intéressants.
Mais en fait, vu que cette zone-là, la dernière fois que je suis passé, elle était en travaux, eh bien, il y a un nouvel espace qui est maintenant accessible, qui m'a attiré l'œil. Je vais aller voir ce que je peux faire. Et déjà, je vous montre les photos que je viens de faire sur ce premier point de vue. Je vais essayer de voir donc le truc qui m'a attiré l'œil. Et ensuite, je vais aller faire 2-3 clichés sur les autres cadrages qui sont accessibles par rapport à cette tour qui est juste assez exceptionnelle derrière moi. Et voilà. De faire un mini marathon en fait, vu que dans le principe c'est pas le type de vlog qui sont évidents pour moi à tourner, parce que il y a du passage, il y a la foule, ce genre de choses. Donc le fait de laisser la caméra et de la laisser tourner alors que je suis en train de faire autre chose, c'est pas trop mon truc, voilà, même si quand même on est dans une société qui est assez cool, mais dans le principe voilà. Donc là j'enchaîne les spots les uns après les autres. Ça va être dans l'idée de vous partager un petit peu tous ces lieux avec les photos, les réglages, pour que vous puissiez vraiment venir les réaliser vous-même à l'occasion si vous passez dans le coin, tout simplement. Et bien voilà, comme j'étais en train de l'évoquer, c'est assez difficile pour moi de vlogger en public, et plus la journée avançait, plus il y avait de monde et de passage autour de moi, ce qui a entraîné une certaine frustration. J'ai donc décidé de changer mon fusil d'épaule et de vous mettre à disposition des fiches pratiques dans lesquelles je référence l'intégralité des spots que j'ai trouvés ce jour-là. Dans ces fiches pratiques, vous allez retrouver la localisation des lieux, le type de focale que moi j'envisage d'utiliser, le type de cadrage aussi souhaité, mais aussi tout un tas d'informations qui vont vous permettre de construire votre image préalablement. La période de l'année et l'horaire à laquelle l'image pourra être la plus aboutie. Le type de projection créative que moi j'ai en tête, si c'est du noir et blanc, si c'est de la pose longue, et aussi, par rapport à un même spot, les différents angles qui sont mis à disposition pour aboutir à d'autres images intéressantes. Je vous mets donc dans la description un petit peu plus bas un lien de téléchargement qui vous permettra d'accéder à ces fiches. Si ce lien n'apparaît pas de panique, c'est juste que je suis encore, au moment où je tourne ce vlog, en train de peaufiner ces fameuses fiches. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, ça vous permettra d'être informé lorsque celles-ci seront mises à disposition. J'espère que ces fiches vous seront très utiles et surtout vous simplifieront grandement la vie. N'hésitez pas à me faire vos retours à ce sujet et surtout à me taguer sur Instagram pour que je puisse apprécier le résultat de vos propres prises de vue. Moi je vais continuer en préparant ma future aventure, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut et à vous abonner à cette chaîne pour soutenir mon travail. Questions et commentaires sont les bienvenus, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Allez, à très bientôt, bye bye.